Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on revient sur Winkel, un jeu dans lequel vous allez gérer votre petit magasin. Je vous ai déjà présenté le jeu dans sa version démo alpha il y a quelques mois, la présentation vous a beaucoup plu et là on va découvrir la version qui va être disponible au grand public d'ici quelques jours sur Steam. Au passage, vous pouvez voir que le jeu est maintenant complètement traduit en français. On peut donc rajouter le jeu à la liste de ceux qui ont été traduits par la communauté. Donc vraiment merci à vous, le développeur m'a dit que ma vidéo envoyait un paquet de gens sur leur Discord et vous vous êtes organisé en groupe pour faire la traduction. Donc elle est de bonne qualité, il y a encore quelques petites fautes qui j'espère vont être corrigées, mais je sais que ça va faire plaisir à énormément de gens. Donc en avant. Chère fille, cette propriété est dans notre famille depuis des générations et elle est maintenant la vôtre. Donc apparemment les parents vous voient leur fille, ils se connaissent peut-être pas trop bien. Cela nous rendrait fiers si vous pouviez accomplir ce que nous n'avons pas pu, effacer la dette de notre famille et rendre au nom Koopman sa gloire d'antan. Donc en gros ils lui disent, on ne connaît pas très bien, mais voici notre dette, occupe-toi-en. L'idée est simple, vendre des choses plus chères que vous ne les achetez. Bonne idée, il vous faudra agrandir et décorer la propriété pour attirer plus de clients. Bonne chance, on compte sur vous. Max Koopman, donc c'est le papa finalement qui nous contacte. Voudrais-tu voir le tutoriel? Non, je me débrouille tout seul, donc je suis content de voir au moins qu'il me donne l'argent que j'aurais gagné en faisant les quêtes, donc c'est cool. Et voici mon magasin, et on peut voir la parcelle de terrain qui m'est donnée également, donc je vais pouvoir, si j'ai le budget, agrandir le magasin. Pour le moment, je vais juste devoir le préparer à l'arrivée de clients, donc il me faut un comptoir pour vendre, et également pour accueillir des marchands qui vont proposer d'autres produits que je vais pouvoir revendre et également des tables pour afficher ma marchandise. Donc en appuyant sur tab, on a quatre catégories importantes. Donc là, la construction pour agrandir le magasin, l'aperçu donc du magasin, les meubles installés et tout ça. Ici, je vais pouvoir débloquer de nouvelles choses à construire ou à installer. Donc là, je paye 3 pièces d'argent pour pouvoir poser maintenant des tables dans ma... dans mon magasin. Voilà, donc en gros, j'ai acheté le droit de les acheter. Et vous voyez qu'il y a d'autres catégories, et il y en aura d'autres qui vont apparaître avec le temps. Et là, je peux acheter les objets que j'ai débloqués. Donc vous pouvez voir dans la catégorie là, la grande table va être débloquée au level 2, sachant que je suis level 1. Donc plus on monte de level, plus on débloque de nouvelles choses. Et là, on a le niveau de charme qui représente l'intérêt que génère le magasin. Hein, donc le nombre de clients qui vont pouvoir nous visiter dans une journée. À gauche, on a les ressources en stock. Donc j'ai 4 types, donc je vais mettre 4 tables. Et la capacité du stockage qui est plein pour le moment. Donc je vais mettre 4 tables vu que l'on a... non, déjà le comptoir en premier. Mais je vais mettre 4 tables vu qu'on a 4 types de produits différents. Donc j'aime bien mettre le comptoir là. Dès que les gens rentrent, ils voient. Ils devraient théoriquement me voir derrière. Mais bon, je me balade dans le magasin. Et on va poser nos tables. Donc les pattes vertes. Les pieds verts, les empreintes, représentent l'accessibilité, les endroits d'accessibilité aux meubles. Il en faut au moins un vert pour que les clients puissent atteindre la table et acheter ce qu'il y a dessus. Voilà, donc je suis content. Maintenant, on va poser un t-shirt, un morceau de bois, un outil, un marteau et un pain. Et je suis prêt à démarrer la journée. En avant! Donc là, les clients arrivent. Pour le moment, je n'ai qu'un de charme, donc je ne vais pas en avoir beaucoup qui vont venir. Mais on va très vite améliorer tout ça. Alors voilà. Hop. Donc il y avait quoi là? Je ne sais plus ce qu'il y avait. Il y avait du bois. Ah, alors là, il y a un marchand qui arrive. On remet le bois. Je vais juste voir, attendre un petit peu, voir s'il y a des besoins qu'ils ont auxquels je peux pas répondre. Hop. Pain. J'ai plus de bois. Ah, elle achète de dehors. Ah bah non. Parce que je peux pas aller dehors pour... ok, hop, et on est monté de level et elle veut du bois. Ah bah j'ai pas de bois en vente. Par contre j'ai du pain qui est à bon prix. Alors là voilà le prix standard de l'objet. Donc vous voyez ils me disent voilà, normalement le pain coûte 2. Actuellement le prix est plus bas donc je te le vends à moins 2. Donc si j'en achète 1, je le paye 5. Faut pas se fier juste au prix qui est là. Le marteau, là je vais l'acheter à 23 donc c'est même pas la peine. Ça vaut pas le coup. Et je suis déçu, je vais pas pouvoir lui donner... du bois elle. Donc il n'y a pas d'autres clients qui viennent. On est... Ouais, là... Ouais, ok, donc je vais fermer le magasin. On la chasse pour qu'on passe à la suite plus rapidement. Alors, on est passé level 2. Ce qui veut dire que maintenant, on peut débloquer la grande table. On va en acheter une. J'ai peut-être pas de place pour la mettre. Je pense pas avoir de la place pour la mettre. On va essayer 40. Je dois payer 50 d'argent, de pièces d'argent dans 3 jours pour repayer ma première dette. Ma première... On paye chaque semaine un peu plus d'argent. Et il voudrait que j'installe une palette. Pour agrandir le stock. Bon, on va tenter. Donc je vais... La palette, on va t'acheter.
et on va la mettre. J'espère que ça va me donner un petit peu d'argent pour la récompense, parce que sinon là je vais être à sec, hein. Là je vais plus avoir d'argent. On va te mettre au bout. Et j'ai pas eu de récompense, zut. Bon bah on va devoir faire avec ce que l'on a, donc nouvelle journée, on démarre, troisième jour. Et venez acheter plein de choses avant que le marchand arrive. Ah, elle va acheter le marteau, donc c'est cool parce que le marteau il se vend bien. Voilà, 39 comme vous pouvez le voir, on va mettre du pain. Elle achète les habits. Eh ben dis donc, waouh, hein, elle. Alors, toi que veux-tu? Je vais attendre déjà un petit peu. Il y avait ce que tu voulais. Il y a ce que tu voulais, lui va acheter ça. Oh voilà, là, je vais être riche. Voilà, tu m'achètes ça. Et donc, alors, on vient au marchand. Non, 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 ne le fais pas. Je vais m'expliquer. Ah, il veut du pain et il m'en reste du pain. C'est parfait. Alors, marteau, ben là, le prix est bon, donc on va en acheter 3. Alors, la tunique à 10, ouais, je vais en acheter 3. Je suis à 14 de stockage. J'ai encore du temps. Oh, ok, on achète des marteaux pendant que le prix est bon. Voilà. Bon, ton petit pain. Ton habit. Voilà, et on est passé au level 3, génial. Et au passage, vous pouvez voir là-haut qu'il y a des événements. Donc là, on est au printemps. Toutes les fleurs commencent à fleurir. Le prix des outils est en hausse et la nourriture est moins chère. Et on a nos objectifs. Donc là, c'est la vue d'ensemble. Hein. Les événements n'étaient pas présents auparavant, il me semble. Alors, le pain. Et je n'ai rien d'autre. Par contre, on est passé level 3. Je suis à 75 d'argent. Je pourrais avoir la table de couturier, mais je pense pas que je vais pouvoir la poser. On peut la poser. On va la mettre, du coup. Et là, attention à mon argent, parce qu'on arrive... On arrive bientôt au moment où je vais devoir repayer ma dette. Voilà, donc avec ça, je vais maintenant pouvoir faire des habits et des chaussures. Plus je vais faire d'habits, plus je vais faire de chaussures, plus ma compétence va augmenter. Et plus je vais avoir de chances de faire des choses de qualité. Donc, voilà. J'ai plus rien. Donc, toi, tu veux du bois, j'ai juste 26 d'argent, je vais devoir attendre un peu. Parce que si j'achète une chose, c'est fini. Je peux plus en racheter, il s'en va. Donc le gars est à usage unique. Le marchand est à usage unique. Allez, allez. Voilà. Également, tu le veux. Tout de suite. Ah, il a pas de bois. Par contre, il a du lin. Donc je vais en acheter des tuniques. Ouais, là, ouais, là, il me faut un de lin pour une tunique. Et là, la tunique me coûte 7. Donc je vais pouvoir la revendre moins cher. Enfin, là, voilà, je l'achète moins cher que ce que ça me coûtait à la faire. Donc, je vais effectivement l'acheter. Et il me faut... Ok, j'ai encore 2 jours, donc on peut se lâcher un peu. Une dernière, voilà. Très bien. Alors, t-shirt. Je suis désolé, les gars. Du coup, on vient là, je vais me faire un habit. Très bien. Et on va pouvoir fermer. On va... Il n'y a personne d'autre qui va venir. Et je vais me faire ma grande table. Ou alors je vais peut-être agrandir mon magasin. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon, c'est jouable. On accepte. On va te poser là. Alors attention, c'est clic droit pour ramasser l'objet. Et clic gauche pour le poser. Si vous faites un deuxième clic droit... Vous vendez la table et l'objet qui est dessus, je sais pas ce qui lui arrive, il est revendu ou il disparaît. Voilà. Et alors j'ai pas assez malheureusement pour ma table suivante. Donc c'est pas grave, on se relance, on va aller le plus loin possible. Hein. Et je vais peut-être faire un deuxième épisode en fonction. Donc alors il y a des nouvelles choses dans cet épisode, dans ce jeu. Maintenant on peut planter des choses et plein de bons trucs. Ah, il veut du lin, alors ben, on va retirer toi du lin, j'en ai. Hop. Le marchand est là, mais j'ai besoin d'un petit peu d'argent. Et lui va acheter l'excès. Alors j'aime pas trop ça parce que là je sais pas si je vais pouvoir... Je peux ramasser l'argent? Si je peux. Ah, là on peut voir la qualité tunique et tunique. La qualité grise, donc elle était pas terrible, celle que j'ai faite avant. Maintenant on a l'argent. Alors, du lin à bon prix, on en achète. Chaussures, je peux pas encore en faire, donc on va en faire une. On a acheté une. Et j'ai plus de place. J'ai encore des marteaux, très bien. Alors. Toi. On va vendre la tunique de qualité moisie. Et maintenant, je peux faire des chaussures également. Voilà. Alors, on est à 43. J'ai payé ma dette et il me reste que 43 d'argent. Si je veux mettre... débloquer... Bah. À grande table, 40. Oui, on va prendre le risque. On va te mettre là.
Et après, je vais augmenter le charme pour avoir plus de clients. Deux types d'habits. Ici, on va mettre du lin. J'en avais déjà. Chaussures. Très bien. Nouvelle journée. Avec un peu de chance, je vais passer level 4. Il y a un nouvel événement, c'est une récession. L'activité économique est à la baisse. Tous les articles se vendront moins cher. Il faudra du temps pour s'en remettre. Et là, je suis à survivre à 3 événements aléatoires. Donc, il y en a 2 actuels. Donc, ouais. Hop. On est à 11. Pas beaucoup d'argent. Je dois attendre un peu. Il veut du pain. J'espère que le gars va en vendre. Et on est passé level 4. Avec ce que tu vas vendre, voilà. Alors, tu veux du pain. Ah, il y en a en vente et il est à bon prix, donc je vais en acheter. Du lin, j'en ai plus beaucoup et les stocks sont pleins. Donc je pense, si j'ai de la place, je vais... de l'argent plutôt, je vais ensuite... ouais, je vais acheter du stockage. Alors la journée est finie, plus personne ne vient. D'accord. Ah, peut-être avant le stockage des décorations en plus. Je vais voir si je peux faire les deux. Panier. Toi. Donc c'est en déco. Ah, il va manquer 3 d'argent. On va mettre de la déco juste pour attirer plus de clients. On va te mettre là. Ouh, je peux peut-être même passer level 3. Voilà, bah oh, j'ai regagné de l'argent, bah du coup, du coup je peux poser mon... Non, je vais pas débloquer, je vais installer ma palette. Même si maintenant avec le peu d'argent que j'ai, je vais avoir du mal à acheter suffisamment de choses. Mais je suis passé à 18, la palette m'augmente de combien? Elle m'augmente de 8. Alors t'achètes la godasse. On va mettre du lin et je vais me faire une autre chaussure. Ah, tiens, tu en veux une autre? Ah, j'ai pas assez de ressources. Ok. Alors, avec l'argent là. Achète, donne-moi l'argent. Alors, il me faut des outils et du bois. Outils, un peu cher, mais on va en prendre 2. Le bois est en promo. La tunique, on en a 3. Les chaussures, ça est moins cher que ce que ça va me coûter. Parce qu'il me faut 2 de lin pour une chaussure. Donc là, excellent. Excellent prix. Ah, j'ai 4 jours pour payer ensuite. Acheter. Alors. On va mettre le pain et le marteau. Ouais, on vend sur la même étagère. Allez là. Et... voilà, et toi tu veux du lin, je n'en ai pas, je suis désolé Gisèle, donc tu vas partir, on va te chasser, vu que c'est la fin de la journée. Et je me dis avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être encore booster la popularité de mon magasin. Allez, on va mettre en déco, on va te poser là temporairement, ou... Est-ce que je peux te glisser là? Je peux te glisser là apparemment. Voilà, et on est 4 en charme. Donc moi ce que je veux maintenant c'est débloquer... les nouveaux ateliers pour la production de ressources. Donc chaussures, merci. Et on est passé level 5. Qu'est-ce que l'on a débloqué? Ils ne me disent pas là, il faudrait attendre. Plus de chaussures. Habits. Ah, ouh, beaucoup de choses. On va prendre du marteau. Du lin. Et là, ça me coûterait moins cher de faire. Donc ouais, alors je vais surtout prendre du marteau. Profiter du prix. Acheter. Par contre, ah, si j'ai du bois, je suis content. Il faut être réactif, hein. Marteau et pain. Marteau. Toi, tu veux quoi? Tu veux du grain? Du grain, je n'en ai pas. Ah, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de chaussures, on va en faire. Ah, du coup, lui, il en voulait du lin et je n'ai pas. Et du coup, je n'en ai pas. Ah, je suis vert. C'est pas grave. Alors, va-t'en. Alors, il se rappelle, hein, quand vous ne les satisfaisez pas, ils vont repartir. Vous voyez, là, ils repartent avec. Il est quand même content, malgré le fait que j'avais pas l'objet qu'il voulait. Mais il va s'en rappeler pour son prochain passage.
Valeur du magasin, plus 130. La valeur totale du magasin doit dépasser 1500. Pour cela, que faire? Je pense que je vais mettre... Alors, on peut faire la poubelle. Ça, c'est de la déco. Armoire ancienne, 20. Et combien tu vas me coûter à la pose? Ah, sûrement coûter trop cher. 100. On va te mettre là pour le moment. Voilà, alors ça n'a pas suffi pour passer la valeur du magasin au niveau suivant. Je pense que mettre des cases supplémentaires va mieux fonctionner. Alors, acheter des choses. Ah, voilà, là j'ai un super prix sur ceux qui sont là en plus. Tu as pris quoi? Tu veux du pain? J'ai pas de pain. Donc j'attends d'avoir un peu plus d'argent. Deux veulent du pain, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, vends... Oui, ok. Oui, un très bon prix. Donc, je vais acheter 5 de pain, je vais acheter 5 de graines. Marteau, j'en ai plus qu'un, donc on va reprendre là. Du bois, je... ou pas assez d'argent. Donc, voilà. Hop. Et le pain. Voilà. Ça, les gens devraient partir contents. Et alors, j'ai gagné un level. Génial. Bah tiens, là, on vend tellement de choses, vous voyez. Ensuite, ici, grains. Marteau, grain, habit, le display qui fait complètement du sens. Alors, ma phrase également. Du coup, tout le monde est passé et je suis revenu à 100 et on a, bah, on est tranquille. Alors, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'argent derrière. Génial. Alors, je peux agrandir encore un peu. Mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire après une pièce là-bas, fermée, avec juste pour les palettes, vous voyez, pour la déco. En attendant, on se pose là. Je suis content. Vend 50 objets, on est toujours pas à 1500. Incroyable. Survivre à 3, payer 60 dans un jour. Alors, venez les clients, venez acheter plein de choses. Il a au travers du mur le bois, pas de problème. Alors, hop, je veux mon argent quand même, ma paix. On est à 37. Il a acheté deux choses. Il y a de l'argent derrière, normalement. Vous voulez... Ah, des haches. Alors, j'espère qu'ils vont en vendre. Les haches, c'est un nouvel objet. Non, il n'en vend pas. Bah, je ne vais pas pouvoir te satisfaire. Par contre, le lin est à bon prix. Donc, on va en prendre 4. Le bois est à bon prix. On va en prendre 4. La tunique, 2. Les graines, ou très bon prix. Et les chaussures, on va les faire nous-mêmes. Donc, j'ai pas encore de quoi faire. Ah, tu veux du lin. Ah, tiens, on va te mettre là. Je vais faire mes chaussures. Alors, on a fait une chaussure de qualité blanche, pas grise. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire que notre maîtrise dans le domaine augmente. Voilà. Alors, je suis à 129. On a payé notre dette. Et du coup, est-ce que j'augmente? On va aller là-dedans. Grande armoire ancienne, poubelle. On va mettre une poubelle, je sais pas à quoi elle sert. Un vase. 150 de charme. Alors, reviens là. Décoration, vase 78, ça fait cher, mais je pense que... Voilà, on est passé au level 5 en charme, et la poubelle me coûte 50, donc ça va devoir attendre. Journée suivante. Les choses se déroulent très bien, par contre là j'ai plus beaucoup d'objets à vendre. Plutôt j'en ai pas beaucoup de diversité, heureusement il y en a encore un peu dans les meubles. Toi, tu veux quelque chose que je n'ai pas. J'attends un petit peu, toujours que les gens achètent pour que je récupère de l'argent. Et on va aller voir ce que le marchand a. On est à 120. Allez, le dernier. Voilà. Alors, il me faut du grain. Non, plutôt parce que le prix est bas. Tunique, le prix est bas. Chaussures, le prix est très bas. Et j'ai plus de place.
Hop. Hop. Et je n'ai pas le reste, désolé. Allez. Ouh, on est bien remonté, hein. Génial. Génial, génial. Et c'est des chaussures de qualité blanche, donc... Hop. Il y en a deux qui en veulent. On va mettre du grain là. Et on va mettre du grain là. Et on est à 360, génial. Et on a bientôt atteint là-bas. Et on est à 300, ah, car on a dépassé la valeur du restaurant. D'accord, place des expositions afin d'avoir 20 objets affichés. Mm-hmm. Je vais peut-être... C'est ce que je vais faire pour le moment. On va le faire comme ça. Ça coûte cher, mais c'est juste parce que, voilà, on est fou. Du coup, comment je vais passer ? C'est la question. Je peux venir. On va te mettre là. Hop. Stockage derrière. On va te mettre... là-haut. Et je pourrais peut-être mettre quelque chose d'autre là, du coup. Il me reste 144 d'argent. Que puis-je faire? Bah, augmenter un petit peu l'attrait de mon... à la poubelle. Alors, je sais toujours pas à quoi elle sert, donc on va pas la mettre tout de suite. On va juste mettre un vase et on va le mettre derrière. Voilà. Et on est au charme 6, journée suivante. Et on est... un magasin qui vaut peut-être 1600, 1700 là, je pense. Et avec un peu de chance, je vais avoir les 50 objets de vendus. J'espère que je vais gagner de l'argent. Allez, comme d'hab, toi tu veux du lin. On attend de récupérer un peu de pépette. Ils veulent du pain, je n'en ai pas. J'ai pas encore la possibilité de faire du pain à avec un fourneau. Je sais pas si ça va être possible. Alors, pain. Ouh, très bon prix. Les haches, excellent prix. Pas assez d'argent pour le reste. Je suis à 108. Je vais prendre des graines et je vais prendre du bois. Et on est au max. Très bien. Alors, bah, les gens qui veulent du pain, je vais vous servir. Ceux qui veulent des haches. Ceux qui veulent du lin, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Je suis désolé. C'est une belle perte parce que ils auraient peut-être... acheter autre chose, vous voyez, si jamais j'avais j'avais répondu à leur demande. Alors, ah, il y a de l'argent là. Toi, tu veux un outil, tu veux du lin. Bah, il n'y a rien d'autre pour vous, donc on va vous chasser. Allez-vous-en. Et il y en a qui adorent. Vous voyez, ceux-là, je pense qu'ils vont acheter plein... ils auraient acheté plein de choses si je... Bon. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? En débloquer, plutôt. Je suis niveau 8. Ah, table décorée. On va en faire. Et un planteur. Après le planteur, parce que j'ai pas encore ce qu'il faut. Je sais à quoi ça correspond. C'est une des nouvelles choses. Ah, table décorée. Génial. Ici. Bon, pas assez. Mais je peux mettre des godasses. Alors on va voir où ils vont acheter ça. Quelle est la différence entre... pourquoi celle-ci brille et pas elle? Ah si, elle brille. Ça y est, elle brille. D'accord. Journée suivante. Donc le jeu est vraiment addictif. Hein. Il est facile à approcher. Il est... c'est pas le seul jeu du genre, mais je trouve qu'il fait vraiment bien. Hein, ce qu'il fait, et ça c'est juste incroyable. Alors, ah, tu veux... voilà. Toi, tu m'as acheté quelque chose dehors. Donne-moi l'argent. Alors, chemise. Voilà, ils veulent du bois, ils veulent du lin. Allons voir si on peut répondre. Ah, j'ai des pommes de terre à un excellent prix, donc on va les acheter. Du bois. Je vais acheter quelques habits. Il me reste 5 places. J'ai beaucoup d'argent. Du marteau, ils veulent des outils de temps en temps. Mais bon, je vais acheter le reste de ça. Parce que c'est juste un prix qui est imbattable. Je pense pas que je peux avoir mieux. J'ai pas de bois. J'ai par contre du grain. Patate. Patate. Allez, sur la super... sur super table, on va mettre les patates. La hache. Hache, hop.
Hop. Et il n'y a rien d'autre pour moi là-dedans. Ah, il y a un gars qui veut une chemise. Prends-la. Va acheter autre chose. Non. Et j'ai pas de lin, donc je peux pas faire de chaussures. On est à 325. Donc là, il faudrait atteindre 20 emplacements. Je vais mettre un autre stockage. Et je vais mettre la poubelle, même si je sais pas ce qu'elle me donne. Vous voyez, en général, ils le décrivent, hein, ça. 3 emplacements, 1 emplacement, plus de charme. Mais la poubelle, ça ne dit rien, parce que c'est purement... Ok, on va te mettre là. Et je suis à 175, et je pense que je vais peut-être passer le level 9 aujourd'hui. Si je passe le level 9, je vais tenter d'augmenter également le charme de mon magasin. On a 2 jours pour les 72 d'argent à payer, donc pas de problème. Ah, bah tiens, je peux l'acheter tout de suite vu que j'ai de l'argent. Pomme de terre, encore un bon prix. Chaussures, je peux le vendre à ce prix-là. Le bois, je peux le vendre. La hache, non. J'ai beaucoup de pommes de terre, c'est pour ça que j'en achète pas plus. Parce que faut réussir à les vendre avant quand même. Toi tu veux des chaussures, toi tu veux... Ah j'ai des chaussures. Ouais. Et va acheter autre chose. Ah. Génial, level 9. Le grain, je n'en ai pas. Et vous voyez, ouh. Ça devait être un bon objet parce qu'il était vraiment heureux. Tu veux du bois? Ah j'en ai du bois. Outils, j'en ai plus. Plus de grain. Voilà, ah bah génial, level 9. Et on va chasser le reste. Bon. Très bien. Grande table décorée. Pour monter le charme. Non, on va juste construire. Ah, j'ai pas le... Le planteur, je le veux maintenant. J'espère que je vais... Il coûte cher, il coûte 250 le planteur. On va te mettre là. Et est-ce que j'ai assez pour passer au charme suivant en vase? Finalement, je devrais peut-être le laisser là et mettre, continuer à mettre des choses derrière. Mais on est niveau 7 en charme. Ah, l'argent là. Donnez-moi l'argent. Génial, il n'y a rien d'autre que j'ai raté. Non. Ah, patate, on est bon. Je vais poser... poser le bois. Et là, il va falloir... Ah, je pense pas pouvoir planter les patates. Ouais, aucune graine de disponible. J'espère qu'il va y en avoir chez le vendeur aujourd'hui. Vu que j'ai posé quand même le meuble. Alors, Sane. 4 sur 22. Voilà, plus 22, il a acheté un bon petit quelque chose. Ah, allez-y, allez-y. Voilà, je suis à 150. Allez, achetez chacun votre objet. Et que je vois également ce que vous voulez. Outils, et toi? Tu vas venir là. Très bien, j'ai assez d'argent. Outils. 2 outils. 3 haches. Des graines d'artichaut, 1. Ouh, elle est chère, mais c'est pas grave, on va voir ce que ça a donné. Des graines standards, j'en veux. Du pain, j'en veux. Les habits, on va en prendre. Ils me vendent plus de lin, hein, j'en ai pas vu depuis longtemps. On va acheter plus de haches. Plus de pain. Plus de graines. Voilà, après je vais... j'ai encore de la place, oui. Voilà, alors... Ah, j'ai l'impression qu'ils sont plus contents s'ils achètent leurs produits sur quelque chose de, sur un meuble de qualité. C'est l'impression que j'ai. Ou pas. Alors. Habits. Je suis désolé, j'ai pas les autres choses que vous demandez. Et on met... Toi. Voilà, on a planté. Parfait. Bah va-t'en les autres, allez-vous-en. Je vous chasse de chez moi.
Et journée suivante. J'aimerais bien avoir d'autres objets de table d'artisanat, mais bon. Ah, on a payé notre dette. Maintenant, on doit vendre 100 objets. Alors, du coup, je voulais agrandir mon magasin, mais je vais devoir attendre une journée de plus pour avoir le budget pour, je pense. Donc, hop, on repart. Allez, venez, venez. Béarch, ok. Ah, tu veux de la patate? J'en ai pas posé? Je suis étonné. Il me reste plus beaucoup de patates. Arroser. Ok. Chaussures. Alors. Du lin. Alors on va... Ah ouais, mais regardez. Deux de lin, là, ça va me coûter 12. Et si j'achète la chaussure... Ah, ça me coûtait 17. Donc là, ouais, on va acheter ben, pas mal de lin. De l'artichaut. Oh, moins 31. Ça va se vendre à une fortune, du coup, pour moi. Moins 11 pour la pomme de terre. Voilà, le prix est juste incroyable. Donc, je devrais me... J'ai plus de place. Je devrais être incroyablement riche. Alors oui, chaussures. Hop. Hop. Artichaut. Pain. J'ai pas d'outils, je suis désolé mon gars. Ah, un peu d'argent dehors. Je suis revenu à 300 déjà. Je peux pas... Ouais, alors la fin de la journée, allez-vous-en. Bon, avec tout ce que j'ai là, j'ai 5 jours, je peux agrandir encore plus cet endroit. Donc c'est parti. Ça va me coûter 200. Donc, pour le moment, on va mettre les choses là. Ah, il me faut... Voilà. Wow. On va te poser ici. Voilà. On va te mettre comme ça, ici. On va te mettre là. Voilà, je suis à 205. On va peut-être débloquer quelque chose d'autre en déco. Un tabouret. On va voir si je peux me le payer. 86. Et un dernier, je vais mettre... Un vase, on va le mettre derrière. Alors j'ai beaucoup de vases derrière, ça me fait penser à tous les... à tous les sabliers de cristal que je donne à Nora dans mon let's play sur My Time at Portia. Ben là, si ça c'était des sabliers, ils seraient stockés là. Voilà. Du coup, ben, je suis pas mal. Et j'ai même du fromage. Il sort d'où le fromage? J'ai dû l'avoir, je sais pas comment je l'ai eu. Artichaut, vendez-vous s'il vous plaît, parce que voilà. Hein. On est à 24, j'ai beaucoup de plus place, donc le prochain coup ça va être de mettre des nouveaux meubles, mais des meubles de qualité. Et les gens qui continuent à acheter de côté du mur. Donc ils achètent à 41 l'artichaut, alors que je l'ai acheté, ou si je l'avais acheté à prix plein, j'aurais eu une perte là. Ah, il me faut du pain, des habits. Ah, les habits, j'en ai. Alors, graines de pommes de terre. Bah, tiens, je vais en acheter. Deux. Chaussures, j'en veux deux. Pommes de terre, on en veut. Les haches, c'est trop cher. Le pain, on en. Ouh, la capacité du stock. Et le lin. Il me faut plus de stock. Place. Ça se vend trop vite. Je peux pas avoir quelqu'un qui stocke les, les meubles pour moi. Ouh. Peut-être si je commence une journée avec plus de place. Donc plus de choses sur les meubles, ça se passe. Oh, toi tu veux quoi toi? Ou oh, tu veux une robe? Il me faut un linge, j'ai pas le... Ah, alors. Ok.
je lui arrive à temps. Non, pas à temps, je me suis dépêché, hein. Faire une robe en une heure avant la fermeture, c'était quand même... Ah, j'ai oublié d'arroser. D'accord, on va bientôt avoir de l'artichaut. Du coup... Il me faudra faire une pièce juste pour toi. Je comprends pas pourquoi ça vaut autant. Grande palette. Plus de stockage. Elle coûte trop cher, donc on va mettre la standard. Et... Ouais, je vais faire une dernière... Ouais, je peux courir, tiens. Oui, je peux courir. On fait une dernière journée. Ça va être notre dernière journée. On aura peut-être une récolte. Je vais bientôt... Je pense que dans l'épisode... On va faire un autre épisode, ouais. Comme ça, je vais finir quelques quêtes. Ah, c'est un bon petit jeu bien mignon. Alors... Regardez, on vend de tout chez nous, mais alors absolument tout. Et tu veux du grain? Tu n'as pas de grain. Graines d'artichaut, où le prix est très bas, donc je vais en prendre deux. La hache, le prix est excellent, on va en prendre plusieurs. Chaussures, le prix reste intéressant quand même et j'en ai plus. Le bois, on va en avoir besoin. Le marteau, il a standard, donc on va l'acheter. Ouais. Non, pas les graines, pas autant de graines. 3 plutôt. Voilà. Acheter. J'arrive. Chaussures. De l'artichaut. Je n'en ai plus. Je n'ai plus d'artichaut, j'ai plus d'habits. Pas ramasser, non, je peux pas encore ramasser. Voilà, ils ont tous des trucs que je n'ai pas. Ils veulent tous des trucs que je n'ai pas. Ouais, dommage. Ah, quand même, toi, t'as pu te servir. Parfait. Vous pouvez pas voir qu'il n'y a pas et et partir sans râler. Bon, on est quand même revenu à 335. Donc là, financièrement, je m'en sors super. Je suis vraiment content. Et bah, on va faire peut-être un deuxième épisode, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires. Pour moi, c'est vraiment une excellente chose, hein, d'avoir des petits pouces bleus. Donc non seulement c'est de la chaîne, mais ça me montre votre intérêt. Parce que les vues, pour moi, ne sont pas importantes. Les gens peuvent tomber par hasard sur la vidéo, ils peuvent avoir regardé, ne pas avoir aimé. La vue, elle peut vouloir dire tellement de choses. Hein. Vous êtes resté une minute, 10 minutes, etc. Alors que le pouce bleu veut vraiment dire que vous avez aimé et que vous voulez en voir plus. Dans quel cas ? Moi, je prends note et je peux peut-être faire une autre vidéo derrière. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye bye!